bonnes frères et sœurs, alléluia. Nous sommes tous la bienvenue ce matin dans un culte familial. Moi, nous tout connais, nous tout encore, nous culte est encore familial dans chacun de la maison, alléluia. Et moi, croire ce matin qu'il y a un grand mouvement du Saint-Esprit et croire que le Seigneur est toujours à l'œuvre, le Seigneur est toujours présent. La Bible dit là que deux ou trois rassemblés, le Seigneur est présent. Vous pensez de ton famille ce matin, de très nombreux en famille pour ce culte. Alléluia. Il est vrai que dans chacun de nous dans la maison, mais c'est le culte du Seigneur. Amen. Faire en sorte que ce culte-là est un culte agréable devant le Seigneur. Amen. Ce matin. Donne nous entièrement à ce culte. Il est vrai nous dans la maison, mais c'est nous devant le trône du Seigneur. Amen. Nous devant le trône, nous devant sa présence. Et quand nous dans sa présence, c'est le lieu que le Seigneur était. Les sacrés. Oui. Pareil comme Moïse, si devant le tient une montagne, il tient un buisson, comme un tout buisson. La différence était, le Seigneur était là. Amen. La différence, c'est le Seigneur était là. Là, il dit, ôte tes sandales, parce que ce lieu est saint. De la maison ce matin, il y a un lieu saint, il y a un sacré, parce que la présence de Dieu est avec toi. Alléluia. Donc, donne tout ce que tu as, louez-le de toutes les cœurs. Alléluia. Amen. Laisse-nous placer un moment-là dans la présence de la main du Seigneur, la présence de Dieu, qui le Seigneur est capable à l'œuvre. Alléluia. Ô Père éternel, nous les glorifions ton nom, nous les adorons toi, nous les disons toi, merci Seigneur. Oh, alléluia. Que ton nom les glorifie, que ton nom les bénisse Seigneur. Nous les disons toi, merci, nous les placons à culte devant toi Seigneur, l'autre la main. Qui, Seigneur Jésus, ton esprit est à l'œuvre. Qui ton esprit est à l'œuvre. Qui ton esprit, Seigneur Jésus, est toujours à l'œuvre. Seigneur, parce que tu es digne, Seigneur, te dire notre parole d'aider et tant pour répandre ton esprit sur toute chair, Seigneur. Oh, alléluia. Que ton nom les bénisse, que ton nom les glorifie, Seigneur. Oh, remplis-nous de ton esprit. Oh, remplis-nous de ton esprit, nous touchons toute la gloire. Oh, remplis chaque famille. Ta présence est à l'œuvre dans chaque maison, dans chaque famille ce matin qui peut écouter nous. Alléluia. Qui peut offrir à toi, Seigneur Jésus, sa culte là comme un parfum, comme un encens qui monte vers ton trône. Ô Père éternel, merci Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, notre Dieu, alléluia. Oh, notre Père, notre Dieu, sois béni. Nous te louons, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Nous pour chanter, nous pour glorifier le Seigneur. Amen. Qu'ils soient capables de nous tout entièrement chanter de la voix, mais dans l'église même. Amen. C'est qu'il y a un clavier, c'est qu'il y a de la guitare, c'est qu'il y a un tambour, un harmonica, pardonnez-moi, harmonium. C'est qu'il y a servi pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Et comment tout connaît aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. La Bible dit à nous comme cela, le jour de la Pentecôte, je tire d'un seul lieu. Le lieu que vous étiez tremblé. Les langues de feu qui reposent. C'est l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Ce jour-là. Laisse-moi dire aux frères et sœurs que l'effusion du Saint-Esprit n'est pas seulement le jour de la Pentecôte quand les disciples sont rassemblés, mais l'est aujourd'hui. L'est tous les jours. Alléluia. La Bible dit comme ça, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit. Amen. Dans les derniers temps, on a un jour difficile. Les jours pour empirer. Mais il y a aussi dans les temps pour répandre mon esprit sur toute chair. Alléluia. Donc, l'effusion de cet esprit, c'est aujourd'hui, c'est tous les jours. Laisse-nous nous glorifier le Seigneur. Du fait là, il n'est pas seulement tombé le jour de la Pentecôte, mais il est tombé encore. Alléluia. Du fait là, pas souffler seulement le jour de la Pentecôte, mais il est soufflé encore de la vie aujourd'hui. Laisse-nous chanter là. Du fait là, pour tomber encore. Du fait là, pour souffler encore. Alléluia. Alléluia. La paix tombée encore, tu fais la paix tomber encore,
tomber, la fait tomber encore. Tomber, la fait tomber encore. Pareil comme un jour l'abandonne. Tomber, la fait tomber encore. Pareil comme un jour l'abandonne. Tomber, la fait tomber encore. Dis-moi la fait souffler. Dis-moi la fait souffler encore. 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 Pareil comme un jour. Dis-moi la paix souffler encore. Pareil comme un jour l'abandonne. Dis-moi la paix souffler encore. 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 Pareil comme un jour l'abandonne. Dis-moi la paix souffler encore. Pareil comme un jour l'abandonne. Dis-moi la paix souffler encore. La paix tomber, la paix tomber encore. 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 Pareil comme un jour l'abandonne. La paix tomber encore. Pareil comme un jour l'abandonne. La paix tomber encore. La paix tomber. La paix tomber encore. La paix tomber encore. La paix tomber encore. La paix tomber encore. Pareil comme un jour l'abandonne. La paix tomber encore. Pareil comme un jour l'abandonne. La paix tomber encore. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Wow, ce matin, si tu peux recevoir le Saint-Esprit, tu peux faire l'expérience avec le Saint-Esprit. Là, rappelle-nous l'Esprit. L'Esprit, c'est le Seigneur. Alléluia. Pareil comment Jésus, c'est l'expression du Père. Mais le Saint-Esprit, c'est la force de Jésus. C'est sa puissance qui est de Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Jésus à l'œuvre de la vie. Hein? Alléluia. Et nous vous chantons encore. Viens, Saint-Esprit. Viens par ton vent. Alléluia. Remplis-nous de ton feu. Alléluia. Ta pluie, alléluia. Viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit. Flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie. Embrasse-moi, brûle-le.
Alléluia, embrasse-nous, Seigneur, plus le feu de Dieu. Alléluia. Gloria Narana Machelebe. Brûle le feu de Dieu, Seigneur. Alléluia. Oh, Alléluia. Randa Kabashé. Brûlons-nous, Seigneur, pour feu. Embrasse-nous, soufflé de quatre vents, Seigneur. Remplis chaque Alléluia, Randa Sekedebe. In the holy name of my God, Jesus. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, glory, odoro, domekedebe. Mighty Lord Jesus. There is no one else like you, Lord. Alléluia. Oh, remplis-nous de ton feu, Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Viens, Seigneur. Alléluia. Mighty Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Je m'occupe que Dieu ça versé dans les derniers temps. Je répondrai mon esprit là. Une image vient de me la tête. C'est vrai que dans les derniers temps, pendant un temps difficile, par un essai de mon film, je nous a trouvé un feu de forêt et la situation. Dieu là peut répondre partout. La situation tellement chaotique que man firefighters, je ne sais pas pourquoi ils luttent contre ça du feu là. Et là, qui arrivé, un avion passe au-dessus du feu et ils répondent la poudre qui est un tout du feu là d'un seul coup. Le temps du chaotique, le temps du difficile, mais Dieu dit pour répandre son esprit. Alléluia. Sur toute chair. Amen. Pareil que moi, cet avion là, ils répondent ça à la poudre là. Pareil, bon Dieu pour répandre son esprit au milieu du chaos, pour la puissance du Saint-Esprit. Amen. 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 La puissance de Jésus ou même sa semaine. Alléluia. Jésus dit, nul ne vient au Père que pour moi. Alléluia. Si on veut réussir dans tout ce qu'ils vont entreprendre, ou bien passe par Jésus. Sinon, c'est l'échec assuré. Amen. Amen. Si vous envirez ici, vous avez un passeport Jésus. Dans tout travail, dans mon département, dans n'importe quel département, il y a une affaire qui s'appelle Proper Channel. Si on vise le chef des chefs, nous ne pouvons pas aller débarquer dans ce bureau comme ça. Nous avons un passeport chef de section, pas un chef de département, pour nous faire un chef des chefs. Jésus dit si vous envirez à l'école de papa, passeport Jésus. Les mêmes chemins. De tout réussir. On veut réussir dans le travail, dans le mariage, dans une relation. Vous avez passeport Jésus. C'est le seul chemin. Pena de. Amen. Mon petit bout était dans sa lémonde, sans où la grâce avant. Purifier
Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci, Esprit. Alléluia. 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 Sans Jésus, sois le centre. Alléluia. Quand nous disons Jésus, sois le centre, ça veut dire tout, tout tourne autour de Jésus. Ou pas faire non rien sans demander Jésus. Pas faire non rien sans demander, sans consulter Jésus. Jésus, c'est le bon berger. Ça amène vous dire Jésus dans une place qui pour pas pour bon pour vous. Si vous consultez Jésus dans tout ce que vous faites, vous s'y allez dans la bonne direction. Amen. Alléluia. Jésus soit le centre. Jésus, sois le centre.
Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus. Alléluia. Merci, sois notre vision, sois notre guide. Oh, alléluia, Seigneur Jésus. Gloria, 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 gloria. Oh, alléluia, merci, Seigneur Jésus. Gloria, 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 gloria. Oh, notre Dieu, sois béni, sois glorifié, Seigneur. Quel Dieu merveilleux tu es, alléluia. Quel Dieu merveilleux tu es, alléluia. Oh, notre Dieu, sois glorifié, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous voulons voir ta gloire. Nous vous prions pour la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Oh, cette parole, il va être prêchée avec puissance et autorité. Oh, alléluia. Que le Seigneur lui bénisse ce serviteur, lui ouvre de son esprit. Nous, lesquels qui avons préparé pour autant la parole de Dieu. Oh, Seigneur, nous prions toi pour la parole de Dieu, qui est une parole qui peut être prêchée par ton serviteur. Ouvre de ton esprit. Ouvre de ton feu, Seigneur. Cette parole est parole puissante, parole vivante, Seigneur. Oh, alléluia. Cette parole les plus tranchantes, qu'elle les fait à double tranchant. Alléluia. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Bénis chacun de nous pour pouvoir recevoir ta parole. Cette parole qui est vivante dans notre vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à tous, frères et sœurs. Vous souhaitez qu'ils soient nombreux ce matin, non seulement dans la région de Saint-Pierre, le district de Moka, mais à travers l'île. Et tous ceux qui nous écoutent de loin aussi, nous saluons tous dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pentecôte. Alors, nous souhaitons tous un bon dimanche de Pentecôte. Amen. On nous fait chanter que le Seigneur répande sur l'esprit sur nous tous. Mais comment nous habiter, répète-le à chaque fête de Pâques et à chaque fois qu'il y a la Pentecôte. Pour nous, c'est chaque jour la Pâque. Oui. Et pour nous, c'est chaque jour la Pentecôte. Amen. Amen. Le feu de Dieu dit dans notre cœur, l'Esprit est avec nous, l'onction demeure en nous et sur nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et moi, persuadé que le Saint-Esprit peut déjà agir au milieu de nous. Amen. Alors, nous texte, nous thème ce matin, comme je finis à lire sur Facebook, c'est « The importance and power of choice ». The importance and power of choice, l'importance et la puissance de nos choix. Hein? Nos choix, nous avons une décision. C'est un message très important. Je vous demande d'autres, écoute jusqu'à la fin. Libou prend nous une certaine détente. Écoute jusqu'à la fin. Hein? Tout pour amener nous à cette fin. Hein? Et à la fin, il y a quelque chose qui va vous dire. Qui pour résumer tout, et bien pourtant qui vous écoute ça, hein, pour comprendre, les suivre jusqu'au bout. Mon approche ce matin, n'est pas pour une approche psychologique du sujet. Hein. L'importance de nos choix, the importance of choice, n'est pas pour. Mon approche n'est pas pour une approche psychologique, n'est pas pour une approche sociologique aussi. Non plus, il n'est pas pour axer sur les principes de leadership. Quoique, ces trois aspects-là, nous vous trouvons dans ce message-là, mais pas en profondeur. Sinon, il n'est pas besoin de plusieurs prédications, deux ou trois, pour aller en profondeur. Mais cependant, pour énoncer cet aspect psychologique aussi, parce qu'il vous concerne nos pensées, la façon qui nous résonnait, il pour énoncer sa portée sociologique-là aussi, dans la façon nos relations avec la société, nos relations avec les autres. Et puis, dans cet aspect de leadership là aussi, comment nous être influencés, nous influencer les autres. Ces trois aspects là, je ne pas pour totalement absent, bien sûr, mais pas. Plutôt nous l'approche, ils prennent l'approche de pasteurs, de disciples de Jésus, à des chrétiens qui sont aussi ben, disciples de Jésus, pour voir ça. Direction du Saint-Esprit dans notre vie de chaque jour, et bien sûr, dans nos grands moments de décision
cruciaux dans notre vie. Amen. Il faut plutôt dans sa direction-là. Tous les autres aspects, sans négliger les autres aspects, bien sûr. Et moi aussi, ça pouvait être. C'est moi, au fur et à mesure qu'il m'avait prêché, pas de chemin de conclusion hâtive. Écoutez, notez, hein, jusqu'à en arriver à cette fin. Alors, notre texte principal, c'est un texte très important. C'est le psaume 25. Versets 12 à 15. Motia conseille Zot, lire et étudier tout le psaume 25. Depuis le verset 1er jusqu'à la fin, il y a accès sur ce thème central d'un homme, d'une femme, d'une personne, qui tourne lui vers Dieu pour que Dieu soit capable de conduire lui et dirige lui. Amen. Dans ce bon choix, bien sûr. Psaume 25, versets 12 à 15, trois versets importants dans un psaume important. Quel est l'homme ou la femme ou l'enfant, le garçon, la fille, qui craint l'Éternel? Je viens déjà prêcher, étudier sur ce thème de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Alors, cet homme qui craint Dieu, cette femme qui craint Dieu, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Nous pourrions tourner avec sa verset, la verset 12 là. Hein? Celui qui craint Dieu, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Donc il y en a deux choses là. Il y en a l'homme qui doit choisir, ça c'est sa responsabilité, c'est à lui de le faire, c'est à elle de le faire, c'est une femme. Seulement, il y a Dieu qui lui montre cette voie. Dieu qui guide lui dans ce sens-là pour que lui choisisse. Tous les deux aspects importants. Un amène vers l'autre. OK? Son âme reposera dans le bonheur et ses enfants possédera le pays. Ça veut dire que quand il a cette influence de Dieu pour diriger vers ce choix, qui Dieu pas pour faire dans vos places, qui vous besoin faire, c'est mal pour être doux. Résultats suivent. Son âme repose dans le bonheur. Ses enfants sont bénis. L'amitié de l'Éternel, notre sa mot amitié là, nous vous retournons vers là, bien sûr, toutes ces bonnes paroles là. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Il y a cette crainte respectueuse. Nous aimons Dieu et nous craignons Dieu en même temps. Et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. Quand il fera sortir mes pieds du filet, ça aussi c'est un résultat. Amen. Nous retournons verset 12. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Dans King James Version, dit-nous, Dieu pour guide-lui, pour diriger-lui, in the way that he shall choose. Nous tous nous connaissons quand nous mettons shall avec he ou she, il y a un impératif. He shall choose. Dieu pour guide-lui, in the way that he shall choose. King James Version. Dans NIV, New International Version, il dit, in the way Dieu pour guide lui, pour dirige lui dans in the way that he should choose. La chose là vient should. L'impératif là, il plie montrer l'emphase plus fort là. Hein? In the way that he should. Il besoin, il rejoint la version française qui dit la voie qu'il doit suivre. Mais il y a une version plus intéressante encore. C'est Full Life. Hein? Full Life Version qui dit à nous, Dieu pour diriger lui, pour conduire lui, in the way chosen for him. Ah, là, il devient encore plus intéressant. Non seulement he shall, non seulement he should, bien, obligatoirement, mais aussi Dieu pour diriger lui, in the way chosen for him. C'est-à-dire, Dieu finit choisir la voie pour lui, seulement faut-il accepter, suivre sa direction du Seigneur là, pour lui choisir.
Jusque-là, Dieu, jusqu'à devant la porte, jusqu'à dans l'entrée du chemin, Dieu pour conduire, il dit, mais il should choose the way chosen for him. Alors, c'est très important. Là, il continue, il dit, notre âme pour être dans le repos. L'amitié de l'Éternel, dans la version anglaise, dit the secrets of the Lord. Si nous regardons seulement sa version amitié-là, nous pouvons dire l'amitié de Dieu. Abraham, qui est considéré comme l'ami de Dieu. Mais ce signification profonde de l'original, il dit, the secrets of the Lord. C'est-à-dire, comme Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Vous êtes mes amis, je vous dis mes secrets. Amen. Alors, les secrets de Dieu, celui qui demeure dans la présence de Dieu, qui demeure sous l'abri du Très-Haut, dans cette amitié, cette intimité, comme on nous prêche souvent ici dans Saint-Pierre, pour ceux qui le craignent. Son alliance leur donne instruction, et encore une fois, dans la version anglaise, il est encore plus explicite, il dit à nous, ici, il y a son alliance leur donne instruction, eh bien, l'idée là-dedans, c'est que Dieu lui-même pour instruire à toi in his covenant. Dieu te l'instructeur, Dieu, le Saint-Esprit, celui qui prend saint, toi, et pour te comprendre ce covenant, ce l'alliance. Amen. Alors, nous finissons trouve ça maintenant, nous pour, lire un deuxième passage, qui je connais très très bien, c'est Deutéronome 30, 19. Deutéronome. Donne-t-il est temps de vous autres choisir. Hein? Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis, Dieu dit j'ai mis. C'est Dieu qui déclarait que lui-même les fit maître. J'ai mis moi l'Éternel, Dieu. C'est moi l'initiative. Devant toi. Toi personnellement et ton prochain aussi, mais là c'est toi qui cause avec toi là. Devant toi, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Toi choisis la vie toi-même afin que tu vives toi et tes enfants pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. Quand de cela dépend ta vie de ton choix, hein? La prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de te donner. Amen. Amen. Alors, reste avec le psaume 25. Nous venons à deux versets qui nous pouvons lire. Mais déjà, là, je tiens à comprendre nos sujets. Alors, nous pouvons parler sur l'importance and power, hein, de nos choix. Nous avons trois sections. Premièrement, l'importance de nos choix, c'est-à-dire la place de nos choix, la place que nos choix occupent dans notre vie de chaque jour et aussi dans des moments cruciaux. Il n'y a pas de moment crucial, hein, pas de moment important. Alors, nous pourquoi de la place qui nos choix, nos décisions et non dans nous la vie de chaque jour et arrive aussi ça va nous tournant là. Deuxième, c'est l'implication. Par implication, nous dire tout ce qui implique, ce qui se passe en nous dans un moment de choix, ce qui se passe en nous, dans notre tête, dans nos cœurs, dans nos sentiments, nos émotions, nos bonnes pensées, qui est arrivé en nous, qui travaille en nous quand nous fait ça, hein? Importance, implication. Troisièmement, motivation. C'est-à-dire, ils rejoignent sa deuxième partie-là, et c'est que il y a des choses qui nous poussent quand même, comment dire, qui se passent en nous, mais quand ces choses-là se passent en nous, arrive un moment quand nous passons à l'action, nous choisissons, mais au moment du choix lui-même, quand nous dépassons, toujours l'influence qui peut travailler en nous là, nous choisissons là. Mais qui pousse nous à choisir d'une direction ou ça d'une autre? Amen. Ah, alors, l'importance. Qui place ça dans le choix là? D'abord, tout dans la vie, est question d'une choix. Vous connaissez là où peut écouter moi,
chez vous, vous faites un choix. Capable, vous faites facilement, hein. C'était facilement habillé. Aujourd'hui, le frère, il va porter le message, moi là, moi écoutez. Amen. Ou peut-être, pour certains, il va pas être aussi facile que ça. Il a besoin de sortir, il y a un coup de téléphone, il y a un lien de rendez-vous, et finalement, il est prêt pour décider pour aller, après, il dit non. Et finalement, il reste. Hein? Il soit. Là, quand tu peux assiser, on choisit. Des choses aussi simples que ça. Hein? Alors, tout dans la vie est question de choix. Nous sommes aujourd'hui là où nous sommes en raison d'un choix. Là où nous sommes dans ce culte, mais là où nous sommes en général, hein, donne-nous la vie. Bien ou mal, c'est pourquoi mon Dieu ne peut pas prendre une décision active à ce stade-là, il est trop tôt. Hein. Mais quand même, si vous pouvez subir une situation difficile parce que vous faites un mauvais choix dans le passé, moi ça grimpe où? Mais tout ça n'a pas changé. Mais si vous pouvez réjouir où parce que vous prenez un bon choix, mais nous pas tirer des conclusions hâtives, il est trop tôt. Mais toujours est-il que tout dans la vie est une question de choix. Nous choisir tous les jours jusqu'à maintenant. Et vous pouvez là pour choisir encore, nous gardons ça à la fin, mais nous disons toujours, ou pour continuer à choisir, vous connaissez jusqu'à quand vous finissez choisir? Jusqu'à où le dernier soupir, hein, ou ferme l'isier. Vous pouvez avoir des choix pour moi et pour vous. Et vous connaissez quand ça pour commencer là tout de suite, là, après ça culte là, là. Amen. Et là, vous choisissez. Prenez un bon choix, normal, ordinaire. Nous dire sans conséquence. Rien n'est sans conséquence, hein. C'est nous qui disons ça. Il y a un petit choix, mais il y a une grande conséquence. Bon, et puis il y a un bon choix important, hein. OK? Tout est question de choix. Deuxièmement, personne n'est responsable de nous soi. Personne. Et là, l'influence d'une prédication passée, mon Dieu, c'était l'enfant prodigue, et là, nous, mais il y a Dieu d'une part, et il y a Satan d'autre part, et il y a ceux qui, avec Dieu, des enfants de Dieu, qui nous influencent de la part de Dieu, et il y a les autres, ceux qui, sous l'influence du diable, les autres mondains, les autres ben, mauvais conseillers, qui influencent nous de la part du diable, et puis il y en a nous-mêmes. Parfois, nous dociles, mais parfois, nous avons la tête dure aussi, hein. Et nous avons dit, oh, moi, non. Vous fermez la tête. Alors, il y a Dieu et ceux qui marchent avec Dieu. Il y a Satan et ceux qui marchent avec lui. Il y a toi avec toi la tête. Vous souhaitez la tête pas dure. Hein? Mais à la fin, à the end of the day, malgré toute cette influence là, c'est nous-mêmes qui responsable. Nous vous trouvons ça tout à l'heure d'implication, hein. Mais là, nous pouvons voir seulement l'importance. Et puis, arrive un moment que pour nous redonner échappatoire, là, hein, blâme les autres, nous dire, je n'ai pas le choix, ou je n'ai pas eu le choix. Tu connais mon pan, mon trouve-moi dans une situation, mon pénal le choix. Tu vas qu'à blâmer, moi, tu vas qu'à acquis, moi, mon pénal le choix, m'en obligé. Allez, toi, dans mon place, que tu veux faire? Non, mon frère, il y a toujours un choix. Même, tu peux dire une phrase là, mais moi je dis, pour comprendre, hein, une phrase qui parle, pas content de dire. Hein, même si tu tombes à la gauze, une phrase au cause, même si et la gauze physique dans la tente. Et mon père n'a le choix. C'est une façon de dire ça, hein, c'est une façon de parler, de comprendre. Hein, c'est mon image assez. Je n'ai pas eu le choix. Menti. Il y a toujours un choix. Amen. C'est pas vrai ça de dire qu'on n'a pas le choix. Alors, devant Dieu, un jour, chacun sera responsable pleinement de son choix. Amen. Comme on dit, nous aurons encore d'autres choix à faire. C'est pas fini encore. Hein? Le passé, c'est? Le passé. C'est le passé. Peu importe, nous tous nous faisons un bon choix, nous tous nous faisons un mauvais choix. Et quand nous faisons, moi, nous faisons un choix, quand nous trouvons des personnes qui sont autour de moi, pas fin de comprendre moi, et non fin de trouver moi, même, fin de mal faire, coupable, etc. Mais moi, je connais qui m'ont fait moi. Et par la suite, après un an, deux ans, cinq ans, dix ans,
frères et sœurs, moi, je dis ça très humblement. Vous connaissez combien personne qui me donne raison. Et mon corps debout, mon corps peut avancer par la grâce de Dieu. Amen. Alors, tout ça, nous, pour regarder, vous êtes capable, immédiatement, les circonstances immédiates après au choix, on va voir tout ça. Amen. Alors, le passé, c'est le passé. L'avenir, il est devant nous. Hein? Et mon Dieu, et tout de suite, à l'heure, nous aurons des choix à faire avant la fin de, hein? De la journée. Hein? Ça pas pour terminer jamais. Les implications. Hein? Alors, c'est là que ça devient très important. Avant tout choix, il y a une inclination ou désinclination, des prédispositions préalables. C'est obligatoire, ça. Hein? Sa prédisposition-là, sa inclination qu'il a au préalable, il a, qui peut amener nous vers sa choix-là. D'où viennent ces inclinations? D'où viennent ces prédispositions-là qui emmènent nous? Finalement, le choix est crucial, mais ce n'est pas le choix seulement qui est important. Là, il y a la force qui est derrière ça, qui amène une personne, finalement, à agir. C'est pourquoi quand on nous dit « Ah, j'ai pas eu le choix, tu ne connais pas de mon place », non, il y a toujours le choix. Et finalement, tu es responsable, même si tu ne te rends pas compte. Hein. Alors, nous allons donc choisir d'après notre plus forte inclination au moment du choix. On dit, oh, mon papa prend un seul, ça l'aspect psychologique là, ni c'est l'aspect sociologique là, ni un principe de leadership profond, sinon ça vous prend 2-3 sessions. Mais tout cela inclut là-dedans. D'accord? Et une inclination au préalable en nous. C'est-à-dire, qui donne nous cette inclination-là? C'est ce qu'appelle notre nature profonde. What kind of a man or a woman you are. Moi, je répète ça plusieurs fois, nous étudions ça en profondeur. What kind of a man you are. Il y a donc toujours une raison, une cause profonde. Et nous choisissons ce qui, selon nous, hein, selon nous. Et selon nous, là, nous pas. Vous connaissez quand nous choisissons selon nous, nous toujours une raison là, nous, à nos yeux. Hein. C'est pourquoi il a dit, non, pas pour écouter personne, on ferme la tête dire. Mais bon, si tu peux agir sous l'influence de la parole de Dieu, ça peut même toi des bons résultats, comme le psaume 25. Hein. En tout cas, nous choisissons selon cette confonde conviction, et il y a toujours une cause. Hein. Et nous choisissons ce qui, selon nous, va nous être le plus profitable. Seulement après, peut-être bien après, les résultats ou les conséquences diront si nous avions eu tort ou raison. Après ça, amen. Et quelquefois, quand nous prenons une bonne décision, résultat immédiat, il capable tellement semble être négatif qu'il nous-mêmes nous capables de douter quoi nous mal faire. D'autre part, immédiatement après, l'affaire qui n'a pas mort tellement bon qu'il nous dit « Bah, dans M, ça. » Mais après 1 an, 2 ans, 10 ans, revers de la médaille, nous trouvons qu'il nous a mal fait. C'est pourquoi on dit « Oh, écoute-moi jusqu'à la fin, pas prendre une décision active. Hein? » Et nous allons vers des exemples bibliques. Hein? Quelques temps de cela, la semaine dernière ou la semaine d'avant, nous étions prêts sur le fils prodigue. Alors, nous regardons le fils prodigue. Je connais ça bien, pas pour lire le passage dans Luc chapitre 9. Le fils prodigue va partir. Puis le fils prodigue va retourner. Qu'est-ce qui se passe quand il part? Qui passait dans lui quand il part? Allez nous causer. Qui se dit à lui? Il prend une décision après mûre réflexion. Mais préalable à ça, il y a une inclination qui amène lui à ça. C'est ça qui est important là. Mais qui cause cette inclination-là? Est-ce qu'il est pensé, il peut mal faire, il peut bien faire? Quand il dit, papa, donne-moi ma part de bien qui doit me revenir, laisse-moi partir. Leadership papa, après il y a grand frère, après il y a les autres.
Ben, le chef département, qui se tient à l'autorité de la part du grand chef pour agir, dit dans tout ce milieu-là, c'est là qu'il y a l'aspect sociologique que nous avons vu les tours dit là-dedans. Amen. Et puis ça, c'était trop pour lui, papa. Donne-moi la part de mon bien, moi, aller lire ma ce paquet, y aller. Il y a des choses qui motivent lui là-dedans. Et lui, quoi, il a raison. Le père ne peut pas le retenir. Pour aller plus vite, continue de méditer après. Mais là, à son retour, qu'est-ce qui se passe pour qu'il puisse retourner? Nous regardons son départ, encore une fois. Juste après son départ, est-ce que tout se passe bien? Mm-hmm. Tellement bien, frère. Et en lui-même, il dit, jackpot, mon bien fait, mon prend la bonne décision, et quitte banna, mon allez, moi. Peut-être beaucoup qui quittent le Seigneur, qui quittent l'Église, qui quittent l'influence leadership, qui se tiennent sur notre leadership, et qui au commencement, tout finale bien maintenant. Est-ce que tout continue à aller bien? Hein? Et au commencement, vous connaissez ça, ce qui passait juste après là. Il dit qu'il n'y a pas très bien, hein, pas quoi qu'il veut bien faire comme ça. Mais après, revers médaille. Il va tout dépenser, tout son argent. Beaucoup d'argent, beaucoup d'amis. Moins d'argent, moins d'amis. Pas d'argent? Pas d'amis. Pas d'amis. Et là, il trouve tout seul avec gardien, pousseau. Des pousseaux avaient de quoi manger, lui, il n'avait rien. C'est là qu'il entre en lui-même. La Bible dit, il entra en lui-même, Luc 15. Et il se dit à lui-même, là-bas, la case, mon papa, il a la richesse. Il a des serviteurs, des servants, manger en abondance. Je me lèverai, je retournerai vers mon père, je dirai à mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et aussitôt, il se leva et partit. Il y a ce papa qui Élise de la suite. Qu'est-ce qui s'est passé avant son départ? Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Ça tient tellement bien. Tu es capable de lui-même raison. Hein? Et puis, qu'est-ce qui se passe après ce changement pour être capable de retourner? Et c'est tout ce qui se passe dans un choix. On regarde un deuxième exemple biblique, c'est Joseph. Joseph a la vision, une première vision, la deuxième vision, ne pas rentrer dans les détails. Il parle de la vision à ses frères et à son père. Il a un aspect, un point de vue de leadership, plusieurs leadership conférences que je dis ça. Do not share your vision to the wrong people. C'est vrai ça, nous ne pouvons pas share nos visions to the wrong people. Et Nadia, nous, il ne faudrait pas nous share nos visions too quickly. Ça aussi est vrai. Pas partager nos visions trop vite et pas partager nos visions to the wrong person qui sont capables de décourager nous dans nos visions. C'est vrai. Mais combien de temps nous pouvons avoir de la vision cachée? Pour besoin, proclame vision. Moi, je ne vais pas trop prêcher pour dire mon vision. Mais mon besoin, proclame-le. Et c'est quand on proclame-le que pas tout de suite, mais après, ma vision a fini de réaliser. Hein. Quelquefois, après beaucoup de luttes, nous allons voir cet aspect aussi. Mais il pour partager sa vision. Et tout de suite après, il pour subir. Son père est sage, son père va réfléchir. Parce que Jacob savait, au fond de lui-même. Et toujours quand même, papa, il est bien calmé, garçon. Là, hein. Mais ses frères, c'était la haine de ses frères. Et puis, je menace pour tuer Lise, je tuer un animal à sa place pour teindre son manteau de plusieurs couleurs de sang. Et puis, je te mets d'un puits, sur l'intervention de deux de ses frères. Et puis, la caravane va passer, ils vont vendre leurs frères au caravanier, sur suggestion d'un des frères. C'est notre frère, pourquoi tu es versé notre sang et la caravane pour apporter en Égypte, marcher aux esclaves, acheté par Potiphar. Justement, c'est Potiphar qui passe par là. Justement, c'est Potiphar qui le voit. Justement, c'est les serviteurs de Potiphar. Tout passe très, très bien sous son leadership
tout marche bien, tellement bien que Potiphar lui laisse la liberté de décider de tout dans sa maison et présente Madame Potiphar. Madame Potiphar l'accuse. Jusque-là, il subit. Dans la maison de Potiphar, sur une décision, montrer ce leadership, Dieu était avec lui, Potiphar lui donne liberté de direction de la maison. Mais ce vrai choix crucial pour arriver devant les avances de Madame Potiphar, que cet homme, ce jeune garçon, va refuser de commettre le péché, non pas une fois, mais plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. S'il y succombe à la deuxième fois, à la troisième fois, il y succombe, je veux dire, mais finalement, ce n'était pas un garçon vraiment sérieux. Mais il va résister et il va se trouver en prison. Donc, c'est pourquoi on dit l'enfant prodigue, juste après, c'était la bonne vie. Et le Joseph, juste après, c'est la prison. C'est qu'arrivé juste après aux décisions. Il n'est pas garanti qu'il y ait bien ou mal faire. C'est ça qui beaucoup pas les comprendre. Vous êtes là, comment je prends une décision, demain c'est le ciel ouvert sur ma tête. Mais regarde cet homme, quelle décision il prend et son revers. Mais finalement, vous connaissez la suite, rêve de Pharaon, rêve de ces deux, comment on appelle ça, co-détenus hein, dans la prison. Interprétation des rêves de ses co-détenus, réalisation, rêve de Pharaon, et la suite, il devient le gouverneur d'Égypte. Maintenant, s'il ne faudrait pas nous trop tôt partager nos visions à tout le monde, ni aux wrong person, hein? Mais il arrive un moment qu'on nous a fait dire. The right person, right place, right time. S'il n'avait pas proclamé sa vision, ses frères ne l'auraient pas haï. Si ce ne serait pas haï, il n'y a pas de mettre lui dans le puits. Les temps caravane passé, il n'y a pas de dans le puits. Caravane pas de apporter en Égypte. Pas de prendre Madame Potiphar. Pas de prendre la prison. Pas de prendre ce déco de tenue. Pour capable d'interpréter le rêve. Et puis, pas de être élevé. Alors, c'est pourquoi il ne faudrait pas nous tirer conclusion vite, nous besoin. Méditons en profondeur, frères et sœurs. Dans la vie de Joseph, nous voyons une main puissante derrière la scène. Dieu, amen. Comment Jean-Marc disait l'autre jour, in the beginning, God. In the beginning was the Word. The Word was with God and the Word was God. La main de Dieu. Et puis à la fin, à la mort de Jacob, quand ses frères vont se mettre à genoux, à ses pieds, pour lui dire d'avoir pitié d'eux. Papa, il ne veut maintenant pas faire dominer nous. Il veut dire, je tiens à l'intention, fais-moi du mal. You meant it for evil. Je tiens à l'intention, fais-moi du mal. Dieu l'a changé en bien. Il prend bonne décision, et juste après, ça qui semblerait qu'il prend mauvaise décision, parce que l'in pour lui, jusqu'à emprisonner pour une bonne décision. Mais ce n'est pas ça l'affaire. Attends, continuez, persévérez. Il y aura le moment. Amen. Et voilà. Motivation. Il y a importance, il y a implication, il y a motivation. Vous overlap, ça va un point là. Hein? La chose qui nous dit d'une manière, sous implication, nous pourrions dire sous motivation. The true motivation, quand nous prenons une décision et dans sa inclination au préalable, eh bien, qui amène sa inclination à quelque chose de plus profond encore, qui incline nous vers, c'est nos natures profondes. Cela révèle notre profonde nature, ce que nous sommes vraiment, on dirait, the kind of person you are. Et il y a des personnes tellement nobles de caractère. Comme on dit, noble de caractère, on ne peut pas dire, ou papa, un duc ou un prince, moi, hein, ou un très simple comme moi. Hein. Sorti de la misère, mais le caractère noble. On peut être prince, fils de grand, d'un des grands de ce monde, et avoir un sale caractère. Hein? Ou capable, fils de charbonnier, mais il a un noble caractère. Amen. Ah,
C'est ça qui nous besoin comprendre. Sa noble caractère là sur Enali ou pas pour capable ni être incliné au mal si jamais il y a une inclination au préalable une attirance. Mais finalement, ce qui va dominer cette inclination qui est une certaine tentation du départ, il n'est pas pour tenir long parce que cette nature profonde, cette noblesse en haut. Moi, mon pape, comment vous pouvez dire? Mon pape, il y a une mérite qui personne. Moi, un pêcheur, comme les autres, moi, tu as le verre à l'enfer, comme les autres, mais le Seigneur fin sur. Mais comme petit, l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, quand une affaire a passé dans la cour, appelle-moi pour dire qui t'y dit. Parce que moi, pour dire la vérité. Je ne suis pas content de mensonge. Je ne vais pas dire la même chose, mentir dans la vie, pourquoi dire jamais. Mais vous pouvez comprendre ce qu'il me dit au voilà. Mon papa, mais donne-moi des fleurs moi-même, là. Hein? Non, loin de là. Si tu connais des faux qui me tiennent là, ou ici, il y en a de tout finir là. Amen. Pourquoi me donne ce témoignage-là? Là, vous pouvez rappeler une scène qui est vraiment quelque chose. Et parfois, tu es là, viens là où, hein? Tu es là, viens là où. Alors, une nature profonde l'est révélée. Il y a des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de mentir. D'autres n'ont pas capable, par contre, je mentis. Ah! Ça a coulé, mon Dieu, ça mentit là. Au départ, quand je suis encore très jeune, je suis très pas naïf, non. Je suis un peu crédule, comme on dit. À ce temps, je réfléchis combien c'est, comment dire, emploi, moi, comment dire, en créole. Terrible, hein? La nature. Il y a des personnes, non seulement je suis dans cette nature noble, je suis dans une nature ignoble. Le contraire de noble. Alors, la profonde nature va se révéler. Et cette inclination au préalable, il pourra emporter, porter pour cette nature. Sinon, capable d'un premier pas vers sa tentation-là. Il y a un petit mot au commencement, mais ce qui peut prévaloir, c'est sa profonde nature-là. Les autres le voient. Ah, ce qui nous pas fait comprendre. Dis-moi, pégite nous. Et ça va une personne qui nous regarde là. Vous n'êtes pas bête. Nous pas réaliser que notre façon de faire, vous connaissez. Regarde, c'est ce qu'on appelle, moi pas qu'on à tort ou à raison de dire ça, nous dire le déformation professionnelle. Hein. Ça, c'est à débattre, ça, terme là. Un professeur qui va aller regarder un panneau, il trouve une virgule manquée. Il trouve un accent aigu manqué. Il n'est pas tiré à défaut, il n'est pas tiré à là, il dit. C'est. Son attient une sa profession, ça allait trouver manqué. Qui m'a dit qu'il écrit ça? Un accent aigu. Tu veux mettre accent aigu, je vais mettre. Ah là là. Vous avez compris, mais vous n'êtes pas là. Alors, sans curiosité, sans veille à faire du monde, mais ça nous arrive. On est à écouter du monde 5 minutes ou finit tout sur l'esprit. Et on a le discernement des esprits pour discerner soit la présence des démons, soit la présence d'anges. Mais là, moi, je pensais que le discernement des esprits va plus loin que ça aussi, pour discerner quel état d'esprit l'homme lui-même qui est devant nous est là. Vous êtes avec moi là, hein? Amen. Alors, maintenant, nous entrons aussi dans quelque chose d'important. Non seulement notre réelle profonde nature se révèle, en motivation, qui amène nous, un peu plus sous cette inclination qui nous peut dire. Il y a trois choses qui m'ont mentionné à ce stade, et ça concerne nous les enfants de Dieu. Cette inclination qui vient de nos natures profondes, la côte lissotisse, pour nous les enfants de Dieu. D'abord, notre véritable connaissance de Dieu, ce qui nous appelle, on presse livre, Jean-Marc presse livre, les autres pasteurs une presse livre chez nous, que nous dire notre intimité avec Dieu. Ce n'est pas connaissance biblique, théologique seulement qui est important. Pas connaissance intellectuelle seulement qui est dans sa place. Mais tout ça a besoin maintenant à une personne, la personne de Dieu, révélée en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. C'est cette connaissance véritable de Dieu. Hein? Nous sommes capables d'étudier la pomme, nous sommes capables de faire
une dissertation, un essai, une composition sur la pomme avec des photos et tout, sans avoir jamais goûté une pomme. Alors, on a une inconscience intellectuelle. Donc, il n'y a pas toute vitamine qui est dans la vitamine C. Tu sais que c'est la vitamine C. Tu es un désamant d'une pomme, jamais. Alors, il connaît sans connaître. C'est ainsi connaître Dieu. C'est cette Bible qui nous révèle ce Jésus en qui Dieu se révèle. Deuxièmement, trois affaires, mon Dieu. Quatre en tout, finalement. La place des autres dans notre vie, dans nos décisions. Non seulement cette connaissance de Dieu qui vous donne des valeurs va nous pousser, mais nous avons aussi les autres. Nos considérations, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et dans cette personne qui dit, où ça me regarde, les autres, la tête là. Mon papou écoute personne. Quand nous disons mon papou écoute personne, nous pas réaliser que finalement nous prenons des décisions personnellement. Les autres regardent et puis il y a ceux qui prennent leurs décisions. C'est un peu négatif ce qui m'a pu dire là. Hein? Pas pour aller pour vous. Ceux qui manipulent tout le temps les autres pour arriver à leur décision. Ceux qui se jouent des autres. Mon père, on n'est pas content, mais on n'est pas content du monde jouer avec moi. Ils se jouent des autres. Et un verbe, je ne suis pas capable. Si je suis en privé, je peux dire, mais là, hein? Comment est-ce que vous voulez dire ça? Allez, nous dire bien. Ça pas faire les autres, non, rien. Qui vous pensez, qui vous pas pensez. Alors, ceux qui manipulent les autres, ceux qui se servent des autres, ceux qui... Ah, il est vrai que si nous prenons compte ce qui dit une réaction des autres, nous allons prendre une décision. Nous allons prendre une décision, même si tout le monde s'oppose à nous. Hein. Mais c'est pas de ça, il faut faire la part des choses, c'est pas de ça que je parle, moi. Hein. C'est pas de garder sa décision comme Joseph, même si au préalable, tout le monde n'est pas d'accord, le monde entier, peut-être qu'on va prendre une décision après. Vous dire, moi, j'ai le témoin de l'âge qui m'a gagné, Je ne comprends pas. Moi, tout seul devant Dieu dans la prière. Les larmes dans mes yeux. Moi, j'ai jeûné. Moi, vous dire, combien de jours, j'ai jeûné. Mais ce n'est pas un jour, mes frères. Pas deux jours. Des semaines. Vous ne pouvez pas dire humblement, là. Hein. Moi, j'essaie de référer, je ne suis pas capable. Après quelques temps, quelques jours, le Seigneur me dit, moi, arrête. Là, tu peux redire. Tu peux montrer quelque chose, là. Hein. Il faut être humble quand nous jeûnons. Amen. Et puis, c'est terrible ça, quand on a raison, on passe pour une tour. Ce n'est pas ça qui m'a dit. Je peux dire à des gens vraiment pas noble, qui les autres n'ont aucune place dans la vie. Suffisante pour moi, je ne comprends pas. Donc, la place de Dieu, la crainte de Dieu. Ensuite, il y a ça. Troisièmement, nos valeurs et nos principes personnels qui nous ont capables de régner. Dernièrement, quatrièmement, notre vision de l'éternité guide nos actions présentes, même dans les petits détails. Amen. Soit nous pouvons vivre en vue de l'éternité, nous prenons des décisions temporelles, soit au contraire, nous ne vivons que pour le présent. Manger, boire, amuser, les autres, ça, ça a quand même quelque chose à faire. Amuser qui tient. Mais l'éternité, mon frère. Tu vas amuser là-bas, dans l'éternité, avec ce que tu veux faire là. Alors, nous allons plus devant. Vous êtes fini suivant jusqu'à maintenant? Amen. Alors, prends patience jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. À nous développer ce qui nous fait dire. D'accord? Nous redévelopper. Nous choisissons finalement, malgré toute intervention extérieure, qui vient, Dieu. Quand nous disons Dieu, Dieu pas extérieur en nous, Dieu agit en nous, hein, mais c'est une façon de causer. Hein. Faut pour nous distinguer nous-mêmes. Hein. Alors, il y a Dieu
quand on dit pour cause en nous, sur l'esprit pas agir en nous, c'est déjà intérieur quand il s'agit de Dieu, c'est à la fois extérieur et intérieur avec Dieu. Parce que cause, sa parole touche nous, ça agit en nous, mais non, on est capable de dire non. À qui Dieu a parlé une fois, deux fois, Dieu finit de donner tout conseil, mais il finit quand même de dire non. Carré. Avant sa chute, il y en a sa inclination vers le mal là. Caïn, pourquoi as-tu mauvais visage? Je les ai pas inclinés là. Hein? Mais cette inclination là, c'est ce mauvais dans le lit qui fait lien ça. Il y a un mauvais qui amène ça. Qui fait que tu as un mauvais visage là? Quel est le monde mauvais figure? Tout le temps, ce figure mauvais. Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Et puis, il tue son frère. Dieu va revenir. Où est ton frère? Qui lui répond? Suis le gardien de mon frère, c'est un mot fait que Dieu là. Les autres prennent la place dans ce décision. Il est vrai, les autres prennent la place dans cette décision, dans le sens qu'il est personnel. Mais vous êtes un égard quand même. D'accord? Non, pas où manipule tout le monde, je aux autres. Non, non. Moi, quoi, je ne comprends. Moi, peut-être, il y en a une très touchée par ça. Mon papa, bisous. Hein? Alléluia. Malgré toute cette bonne intervention-là, Dieu et ceux qui marchent avec Dieu, Satan et ceux qui marchent avec Satan, et puis nous-mêmes, selon notre nature profonde, et ça montrer ce que nous sommes vraiment. Premièrement, allons dans le jardin d'Éden. Serpent, fin séduire moi. Pas moi ça. Lis ça. Toi ça, qui lis ça? Le serpent m'a séduite. Mais il dit, et j'en ai mangé. Parfois nous causer, nous pas attendre qu'il nous dise. Mais qu'il dit, le serpent m'a séduite. Après il dit, et j'en ai mangé. Il y a qui se lui-même. Hein? Qui s'excuse? S'accuse. La femme dit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Mais l'homme qui dit à lui, la femme que tu m'as donnée, à qui se bon Dieu tout là, que tu as mis à mes côtés, m'a séduit et j'en ai mangé la faim, toi. D'accord? Décision. Decision followed by action. Followed by other decision. Followed by other action. Followed by other decision and other actions. Et finalement, until it becomes a lifestyle of submission or rebellion. De là que tu étais parce qu'il y a une petite décision, finalement, une autre décision, finalement, une autre décision, finalement, une autre décision, une petite décision, finalement, une grande, et finalement, le moment crucial que tu étais maintenant, soit rébellion ou soumission. Amen. Par notre choix et décision, nous permettons à celui qui nous a influencés de contrôler notre vie, même si nous disons, moi-même, c'est moi la vie. Et là, Dieu. Et ceux qui marchent avec Dieu, et dans Satan, et ceux qui marchent avec Satan, dans le monde et dans nous-mêmes, et dans notre vue de l'éternité, où ça, nous mettons la croix sur l'éternité, nous vivons que pour le présent, mais finalement, nous soumettons-nous, peut-être nous croyons, nous pouvons contrôler notre vie, mais c'est soit Dieu, soit le diable, soit le monde. D'accord? Même quand c'est nous, la tête aigle là, la tête Dieu, nous disons, la tête aigle. On dit, mon Dieu, ce n'est pas moi. C'est dire, nous permettons à une force extérieure, à nous plus fort que nous, de nous contrôler. Si c'est Dieu, ok, amen. À nous prendre des exemples vers la fin de la prédication, nous regarde Ésaü. Vous pouvez dire, mais Ésaü, son frère, d'ailleurs il s'appelle Jacob. Jacob veut dire supplanteur. Il est capable de mettre un faire ban tricard à toi pour qu'il capable gagner ce qu'il est. Hein? Nous pas mettre un point d'honneur sur la façon dont Jacob finit agir. Hein? Mais son motivation profonde qui ne fait rien faire comment il était là. Quand on voit le fond de Jacob, il désire la bénédiction de Dieu. Son méthode pas trop bon, hein? Il prend place au frère, etc. Ça nous pas recommandé, hein? Nous dire, the means, moyen, qui amène nous vers,
le chemin. Les besoins aussi nobles que la fin. La fin. The end, the destination. Mm-hmm. Tous les deux. Et Nadia, la fin justifie les moyens. Mm-hmm. Un jour, quelqu'un dit à mon tante, nous dit ça. Pas dire ça, mon tante, tout seulement dit ça. La fin noble, moyen, bien noble. Parce que si moi, j'ai la fin noble, je vais crooked beans. Pas comment Pascal, tu dis où tu allais propre channel. Je peux comprendre. Alors, Esaü, Jacob, il prend son chemin. Mais finalement, Esaü demande un peu de soalim, hein, lentille. Et Jacob va profiter de l'occasion. Pourquoi dire profiter de l'occasion? Bon, il peut dire. Vends-moi ton droit d'aînesse. Ah ouais? Esaü, pour faire une réflexion, demain je vais mourir, qu'est-ce que ça va me servir le droit d'aînesse? Allez, prends le droit d'aînesse, ça demande au bol lentille. Finalement, mon frère, pourquoi pas mettre tout au lot Jacob? Hein? Comment on dit où? Après cet événement-là, plus tard, ce sera il pour un vêtement son frère après ça événement mais pas de son frère tout ça là ça vient après mais là il va nous au droit d'aînesse. Ouais. Mais donne Jacob tout au qui vous content que ce soit là il profite de l'occasion pour gagner sa droit d'aînesse là et plus tard quand il prend la place de son frère en endossant son manteau eh bien même tout au qui est capable de donner Jacob. Au fond de Jacob, c'est un désir de recevoir la bénédiction de Dieu. Ça, l'innoble. Vous faites la part des choses, hein? Mais finalement, si Esaü pour vendre ce droit d'aînesse, ou alors au fond de la chose, est-ce que tout au vin le Jacob? Puis il y a une inclination personnelle qui révèle son nature, quand il pas attache lui-même avec la bête. D'ailleurs, cette parole trahit à lui. Qu'est-ce que je vais faire avec ça demain? Je vais mourir. S'il était noble, s'il avait conscience de la crainte de Dieu, et lui qui évalue sa droite d'aînesse là, lui qui vous dit non, mon frère, un bol lentille, même pour tout l'eau du monde, je ne vendrai pas ça. Ça, tu pourrais révéler son nature finalement. C'est pourquoi moi, je dis ah, j'ai pas eu le choix. Tu as eu le choix. Tu as toujours le choix. Je suis d'accord, mon frère. Maintenant, nous regardons M. Samson, le grand Samson. Delilah, ce n'était pas la première femme, il finit. Je connais un peu. Un drôle de serviteur de Dieu. Je n'aime pas tout lui prier. Il priait le dernier jour de la vie quand il disait Seigneur, me repentir, donne-moi la force aujourd'hui pour avoir la. Et Dieu va faire grâce, tu vas lui redonner la force le jour de sa mort, il va tuer plus d'ennemis. Bon. Delilah, capable, un. Manipulatrice, il est capable de. C'est qui vous content? Ce que Delila a finalement. Qui a tort? Si Samson tient un caractère noble, faux, après deux, trois coulisses, vous dire Delila, la porte ouverte? Non, il tournait, mais c'est son ministère! Et ce n'était pas sa femme, ça. C'était... Bon. Mais il va céder à la fin. Mon père, il a le choix. Ça, il finit trop tant que moi. Non, fais la part des choses où il était que finalement, je vais suivre la prédication. Finalement, c'est lui-même qui révèle ce qu'il est. J'étais avec moi dans sa prédication, je ne comprends pas jusque-là. Alors, dans Matthieu 25, 26, n'ouvrez pas, Dieu va parler à un homme, celui qui avait reçu qu'un talent, la parabole des talents. Celui qui n'avait reçu qu'un talent, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait creusé la terre, enterré le talent, et puis recouvrir le talent avec la terre. Et puis il va dire, Seigneur, j'ai eu peur, j'avais la crainte de toi, et tu moissonnes ou tu n'as pas semé, et voilà, j'ai mis ton talent en terre, voilà, prends ce qui est à toi. Jésus va lui dire, méchant, paresseux, serviteur méchant et paresseux, tu aurais dû confier ce talent à un banquier, j'aurais au moins retiré avec les intérêts.
le Seigneur va lui donner ce titre de méchant et paresseux. Vous connaissez? Ainsi, la nature profonde se révèle quand nous dit sa inclination. Mais à ce terme, vous terminez le message, c'est pourquoi vous avez risqué la fin. Qui va nous donner sa nature profonde, qui prenne le dessus sur l'inclination là, où allons-nous incliner vers le bien au moment de la tentation? Une seule chose, the word of God. La parole de Dieu. Amen. Amen. C'est sa parole là qu'on nous écoute, lui. Mes brebis m'écoutent. Mes brebis écoutent ma voix. Si vous gardez ma parole, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Cette parole qui nous recevoir, non pas seulement la Bible, les Écritures, noir sur blanc, mais c'est le Saint-Esprit qui rend ça vivante. On nous lit à trois passages. Nous allons vers la fin, 5 minutes encore, peut-être 10. Luc 10, 26. Vous pouvez aller vite. Luc 10, 26. Allez, Césanine, dis ça pour nous. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui l'es-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Voilà, nous arrêtons la même. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui l'es-tu? C'était à propos de la vie éternelle, ça, non? Oui, c'était à propos de comment avoir la vie éternelle. Et Luc 10, 26, alors, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Jésus va lui dire, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Luc 6, 3. Luc 6, 3. Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim? Lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, prit les frères du Père. N'aurait de la même, hein? N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, comment il entra dans le temple et prit les pains de proposition sans qu'il l'Éternel punit lui? N'avez-vous pas lu ce que fit David? Matthieu 19, 4. Dans sa croix là, Jésus dit, te pan lire. Ça veut dire bizarre? Lire. Mais c'est lire, mon frère. Te lire, toi? Mais pour décider de lire, là, moi qui décide à ta place, ton maman qui ouvre la Bible pour toi, ou bien ta femme, tu dois décider, toi. Ah, on va gagner le temps, menti. Ah, j'ai pas eu le soir, menti. Tout menti, là. Parce que finalement, tu as besoin de cette responsabilité. Et Dieu, personne ne va le faire. C'est qu'il nous besoin de comprendre, sauf quand on est côté baba. Là aussi, nous faire choisir. Maman va mettre différents lits, elle lui prend ça, mettre là-bas. Non. Toi-même, Mathias, prends ça, mets sur la table. On prend l'idée, décider. Alors, Matthieu, 19:4. N'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu? Commencement. Puis l'homme et la femme. Et puis? C'est pourquoi l'homme qui fera son père et sa mère. N'avez-vous pas lu ce que fit l'homme dès le commencement? Et il dit, les deux deviendront une seule chair. Alors, dans ce trois passages, Luc 10, 26, Luc 6, 3, 3, Matthieu 19, 4, Exoban référent dans les autres évangiles. Jésus, montrez-nous qu'il y a besoin. Lire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je pareil comme moi, Dieu me parle pendant le jour, Dieu me parle pendant la nuit. Mon papier spécial qui saute, hein, me dit tout ça là humblement, c'est mon témoignage, mon besoin d'y aller, mais j'y allais humblement. Même dans mon sommeil, même dans la nuit, Dieu parle, amen, alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Cette parole de Dieu qui va nous former. Ce n'est pas encore fini, mais on a quelques points. Mais cette parole qui va devenir un avec nous. Nous, nature profonde. L'ipouvine, avec cette nouvelle naissance que Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Hein? Vous êtes naître de nouveau. Celui qui est né de nouveau, dit comme le vent. Tu entends le vent, tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit, ceux qui est né de la chair et n'est pas capable d'y résigner parce que son racine est ignoble. À moins qu'il ait changé. Ceux qui est né de l'esprit est esprit. C'est cette parole de Jésus-Christ qu'on a accepté. Le Saint-Esprit traverse en nous, change-nous, nous naître de nouveau, nous conduire. Non, mon père, un peu vite.
Mais c'est la parole de Dieu qui fait ça. Amen. La parole de Dieu qui me transforme. Léala, moi, la parole de Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Nous sommes tous un. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui. Un seul esprit, 1 Corinthiens 6, 17. 1 Corinthiens 6, 17. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui, un seul esprit. Amen. Père, me priez-toi afin que moi en autres, pareil comme à toi, toi en moi, pareil comme à moi en toi, afin qu'il nous en autres, pour nous tous nous haine. Amen. Alors, nous lions un dernier passage, c'est très important. Luc 12, 48. Et puis, pour résumer un peu le tout et puis nous terminer, nous prenons la Sainte-Seine. Tu as besoin de prendre décision. Est-ce que la parole de Dieu habite richement dans ton cœur à tel point que tu es en toi la pensée de Christ et toi, la pensée de Christ, Vinensel. L'Esprit Saint que l'Esprit Saint, Vinensel. Tout incliné vers ce que Dieu lui-même incliné vers. Je vais suivre. Moi, c'est pourquoi j'ai été goûté jusqu'à la fin. Luc 12, 48 nous dit quoi? Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui qui l'on a beaucoup confié. On demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. Je te prie pour écouter ce qu'ils m'ont dit les autres là. Ça m'a même plus important qu'il tout là. Il y a une petite décision pour une petite chose. N'a pas une petite décision pour grand quelque chose. Moi, mon prends ma grande décision qui m'a amené à un grand résultat. Qui pas fin arrive du jour au lendemain. Moi, encore, il y a des visions. Si Dieu prête vie, je peux accomplir par la grâce de Dieu. Amen. Il n'y a pas de grande chose, de grande envergure avec little or less or nothing comme effort. Vous êtes d'accord, moi? Et c'est la coûte quelquefois. Nothing just happens. Ça, nous bien mettre ça dans nos familles, nous avons nos enfants, nous avons nos petits-enfants et l'église, tout. Nothing just happens. Croise les bras, pas gain, résultat. Résultat, pas venir de suite. Après, nothing just happens. Besoin de faire quelque chose. Et celui, et il y a une cause qui est leaders dans la conférence leadership de dire. Everything begins with an idea. Pas vrai? Tout commence avec une idée. Tout commence avec une pensée, une idée. Tout commence avec une idée. Nothing just happened veut dire, non, on n'est pas arrivé comme ça. Ce n'est pas just happened, ce n'est pas arrivé comme ça. Il commence avec une idée. Pas vrai? Et, mon fait dire là, grand quitte chose, pas venir avec petite idée. Faut pas mépriser petite idée. Il faut pas mépriser le petit commencement. Le petit commencement là, il faut suivre d'une autre idée, d'une autre idée, d'une autre décision qui peut enchaîner jusqu'à ça vienne un style de vie. Vous pouvez comprendre? Alors, n'en y est grand, n'a pas faire sans effort, sans grande décision, sans subir, sans patience, sans attendre. Ça qui me l'a dit à vous. Il y a un prix à payer. Hein? Alors, arrive là, nous dire pour que le niveau et la qualité de la vie soient élevés. Pour qu'il y ait un changement. Besoin, il y a aussi un changement dans nos façons de réfléchir, de penser, de choisir. Il y a un match. D'accord? Besoin également que le niveau, la qualité de nos bonnes décisions changer. Alors, il y a une seule source là. C'est Dieu et sa parole qui nous influencent. Petite décision par la parole de Dieu, plus important, plus conséquent. C'est la parole de Dieu qui nous aide. Alors, nous et la parole de Dieu doivent ne faire qu'un dans notre cœur. Alors, cela devient notre vie, nos prières, nos louanges, nos choix, nos décisions, nous ben, la prière, nous la vie de prière, nos louanges, nos adorations ne font qu'un. Amen. Et là, nous agir en toute bonne conscience. Amen.
sa conscience là est dictée par la parole de Dieu. Et na di moun je dis moi sincère quand moi prends mon décision, mais il dit sincèrement dans l'erreur. Et sa conscience est sincère, mon agir en toute bonne foi. Nous capables d'agir en toute bonne foi et être dans l'erreur. Avoir bonne conscience, sincèrement, je peux que suis-moi là. Dieu prend compte tout ça là, bien sûr, mais celui à qui on a beaucoup donné, vous demande beaucoup, c'est la parole de Dieu qui est la vérité, qui besoin. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est cette parole qui vient d'installer en nous, dans la pensée de Christ, Saint-Esprit, influence nous dirige nous et profondément, ce qui pourrait incliner nous, parce que décision dépend de sa inclination là, qui dépend de sa nature là, mais lui-même, le besoin vient de Dieu par sa parole, la méditation de la parole de Dieu, il est important. Voilà le message aujourd'hui. C'est pourquoi moi, je disais, je dis, vous pour à peu près 50 minutes temps, mais nous terminons là, vous espérez, tout pas de patience, hein, je n'attends jusqu'à la fin. Ça vous a aidé? Amen. Alors, laisse le Seigneur diriger. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Fils de Dieu. Amen. Pas laisse-toi entraîner comme Adam, elle, tu les autres entraînés, la femme par le serpent, Adam par sa femme, mais qu'on agit. Amen. Imagine Ésaü, Caïn, Samson, il y a quelque chose de mauvais en eux. Et Joseph, une ténèbre ferme. Hein? Est-ce que ça vous a aidé? Amen. Ah ben, je l'espère. Allons prier. Allons prier. Alléluia. Merci d'avoir tenu jusqu'à la fin. Merci Seigneur. Alléluia. Bah, réécoute-le hein, sur YouTube ou sur Facebook. Gloire à Dieu. Allons prier le Seigneur. Allons la gloire est à toi, Seigneur. Oh, Rabbaka. Que ton nom est béni. Que ton nom est glorifié, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que ton nom est béni. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, il est bon de louer l'Éternel. Il est bon, ô grâce de ton Seigneur Jésus. Ô nom de Weish. Basé sur ta parole, que ton Saint-Esprit conduit en moi, ton esprit en moi me dirige, porte parole pour mettre en pratique. Qui lis-tu? Qu'avez-vous lu dans les Écritures? Jésus pose la question. Oh, gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Alléluia. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis la vie. Brise-moi, façonne-moi. Ça qui brise là. Oui, c'est mon désir. Brise-moi, façonne-moi par ta parole et par ton esprit. Change mon cœur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
La Sainte Seine, mais avant, moi, tu as content, rappelle-toi, ça verset de Psaume 25, verset 12 à 15. Dans le verset 12, il dit à nous, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel incline son cœur vers la direction qu'il y besoin prend dans le chemin qui finit déjà choisi pour lui. Alors, les secrets de l'Éternel sont dans son cœur. Dieu là-dedans, Dieu dans sa processus là, quoique c'est toi qui décides, hein, mais Dieu avec toi là-dedans, et par la suite tu es béni, tes enfants sont bénis. Alléluia. Même si au commencement ça ne va pas bien comme Jacques, Joseph, parle au-delà de ça. Il y a un moment que Dieu peut élever toi. The time of God. Alléluia. Dans la nuit où il fit livrer, le Seigneur prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Le Seigneur prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps, ceci est mon corps, alléluia, au nom de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Oh, nous prend le pain ensemble. Pour ton corps brisé, Seigneur, pour nous à la croix, merci. Le corps de Christ, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Jésus, toi l'agneau de Dieu, toi là. Le logos éternel qui nous dit l'agneau de Dieu. Que ton nom soit béni. Oh, merci. Nous prend la Sainte Seine, nous rappelle la croix, la mort de Jésus. Notre véritable Pâque, c'est Jésus. Gloire à Jésus. Et aujourd'hui, nous fêtons la Pentecôte. Oh Dieu Tout-Puissant. Après le souper, le Seigneur prit la coupe et dit, cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Et le psaume 25 dit, l'Éternel pour incliner son cœur vers le bien, pour les capables de prendre des bonnes décisions, et le Seigneur pour instruire les according to his covenant. Le Seigneur pour donner instruction dans l'alliance. Et ils pourront voir l'importance de l'alliance par le sang de Jésus. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je ne prends la Sainte Seine. Nous souhaitons très prochainement nous voir à l'église. Attendons cette semaine pour voir. Merci, la nuit, la bonne requête. Dieu a déjà guéri ton cœur. Amen. Psychologiquement, spirituellement, dans tes décisions, dans ton cœur, quelque chose s'est passé dans ton âme, dans ton esprit avec cette parole. Liette pas, laisse le Seigneur dirige-toi. Mon frère, mon cabaret, un témoignage. Ma famille, mes enfants savent, parfois, mon partage avec nous, c'est telle chose. Au final, fini dans quelques années, là, en 2013 exactement. Dieu finit dans 5 textes faux, très puissants, des écritures, mais c'était comme si Dieu me parlait. Pour me sortir dans sa crise, là, mon premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième texte, mon point de décision, qui besoin, et moi et l'église et le ministère, nous encore, peut aller de l'avant. Dans ce moment-là où vous connaissez Dieu, peut diriger par son esprit et par sa parole. Même si les autres ne comprennent pas tout de suite. Hein? Alors, monsieur Tétovine, ce genre d'homme. Alors, nous sommes capables de dire, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi. Amen. Alléluia. Nous placons les requêtes devant le Seigneur. Nous connaissons que le Seigneur est pour guérir et pour délivrer. Et nous prions pour la sœur Okulja. Nous prions pour ce maman qui finit de tomber, qui finit de gagner une fracture. Et prier aussi pour ce frère Sam, qui finit en dépression, qui finit perdre ce travail. Nous prions pour le frère et la maman de notre sœur Okul. Quand le Seigneur nous savons que tu vas agir immédiatement. Seigneur, tu commences à agir maintenant même. Et tente la main de la maman. Oh Dieu, au nom de Jésus, à cause de Jésus, guéris les pieds, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, qui te met en place tout ce qui doit être en place, Seigneur. Oh Dieu, nous place le frère aussi devant toi, qui vient gagner des questions, Seigneur. Oh, tu es capable de guérir ce Seigneur, tu es capable de délivrer ce quel que soit le mal, Seigneur, de guéris, Seigneur. Oh Dieu, tu es un Dieu qui fait des miracles. Les des prodiges, tant que pas qu'il change, nous croire en toi, Seigneur. Oh Dieu, qui ton nom est glorifié dans ce lac, pour de la gloire. Nous connaissons pour faire le travail dans ce lac, pour de la gloire, Jésus. Et que nous sommes tes serviteurs. Alléluia, merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia, merci, Jésus, notre Dieu. Nous prions pour une sœur qui finit de gagner une tasse l'eau sur la langue. Il n'y a pas connu quoi, mais le docteur même pas connu, mais le Seigneur est capable de délivrer lui.
Et il prend un rendez-vous avec un médecin cette semaine qui vraiment le Seigneur capable de finir touche-lui et guérir-lui complètement. Alléluia, amen. Gloire à Jésus. Seigneur, nous place cette sœur. Mettez la main de la bouche. Alléluia. Si ce n'est pas cette langue, mettez la bouche au moins. Seigneur, intervient. Oh Dieu, me louez toi, me bénis toi, Seigneur, notre Dieu, et qui vraiment sa problème de sa langue, soit enlevé au nom de Jésus. Seigneur, guéris notre sœur et délivrez-lui par la puissance de l'Esprit. Seigneur, oh Dieu, nous connaissons ton bras. Nous connaissons Dieu vivant, ton Dieu tout puissant, rien n'est impossible à toi. Quand tu vivant, Seigneur, alléluia, qui vraiment tout sa problème va disparaître en ton nom, aujourd'hui même, au nom de Jésus. Et nous gagnons ce témoignage pour proclamer la prochaine fois. Au nom de Jésus, amen. Alléluia, gloire à Jésus. Nous prions pour une sœur qui est malade, une gagne une grosseur dans son sein. Nous demandons au Seigneur toute cette sœur et qui vraiment sa grosseur là disparaît. Mettez la main sur sa grosseur là. Seigneur, impose la main même. Sœur en ce moment même. Au nom de Jésus qui sa grosseur là disparaît. Au nom de Jésus, tu es capable de faire, Seigneur. Tout est possible à toi, ton Dieu. Oh, guéris notre sœur, enlève cette grosseur au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous la gloire et mon bénis-toi, Seigneur. Qui ton nom l'y loué, qui ton nom l'y bénit, notre maître. Au nom de la gloire est à toi, Seigneur, notre Dieu. Qui ton nom est glorifié, notre bon roi, notre bon maître. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, toute la gloire est à toi, l'Éternel. Donne-toi toute l'honneur et toute l'adoration, Jésus. Amen, amen. Enlève l'angoisse, guéris-nous, Seigneur. Gloire à Jésus, merci, Seigneur, notre Dieu puissant. Amen. Nous prions pour nos sœurs d'Alaya. Nous connaissons le Seigneur qui nous relève. Nous prions pour son rétablissement complet. Oui, Père. Seigneur, ton grand, ton bon Seigneur. Rétablis nos sœurs, Seigneur. Fais-les capables de la force, le courage, Seigneur, qui nous besoin. Seigneur, nous rends-toi grâce, Seigneur. Que la main l'onit. Que la main soutenir, que la main protège. Seigneur, qui te rétablit notre sœur. Qui te remette les sur ses pieds. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Quand nous connaissons que tout est possible à toi, Jésus. Jésus, mon roi, mon maître. Amen. Priez pour une fille qui appelle Rachel. Ce cas très grave. Nous ne pas connaît, mais Dieu connaît. Alléluia. Oh Dieu. Seigneur, nous prions toi pour Rachel. Qui est un cas grave, Seigneur. Mais nous connaissons que pour toi, rien n'est impossible. Nous connaissons quelle situation qui est trop grave, Seigneur. Tu es capable de retirer notre sœur et de délivrer lui par la puissance de ton esprit quand tout est possible à toi. Seigneur, nous croyons et nous connaissons qui te vous délivrer notre sœur Rachel. Que vous délivrer lui par la puissance de ton esprit, Seigneur. Oh, la gloire est à toi, notre Dieu, notre Maître. Amen. Amen pour Rachel. Alléluia. Priez pour Sunita, la nièce de la sœur Siwanti, qui est gravement malade. Oh Dieu. Alléluia. Oh, Seigneur, nous place Sunita devant toi qui est malade. Seigneur, la nièce de notre sœur, Seigneur, tu dois te couvrir. Seigneur, tu es capable de relève, tu es capable de délivrer. Quand tout est possible à toi, quand tu es vivant, quand tu es fidèle et bon, Seigneur, notre Dieu. Qui ton nom l'y loué, qui ton nom l'y béni, notre Maître. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur, notre Dieu. Louange à toi, Seigneur, notre Dieu. Puissant, amen. Nous prions pour une sœur de la Réunion, Dani Akama, demande de prier pour sa femme, Edith, qui peut souffrir Parkinson. Il fait un cauchemar tous les jours. L'île de la Réunion. C'est à l'île de la Réunion. Nous demandons le Seigneur et Edith. Là, nous demandons le Seigneur de délivrer notre sœur. Alléluia. Oh Dieu. Seigneur, nous connaissons que tout est possible à toi, Seigneur. Oh Jésus, nous louons toi. Nous bénis toi, Seigneur, notre roi. Tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu puissant, Seigneur, notre Père. Oh Dieu, qui ton nom est loué, qui ton nom est béni, Seigneur. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Jésus, te délivre, nous sœurs, de tout mal cauchemar qui est fait. Seigneur, que guéris-lui à l'instant même, que touche-lui par ta puissance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Glory Jesus, l'Ondarabaya Shakarabaya. Merci Seigneur, notre Dieu, amen. Oh, tu contrôles ces mouvements. Oh Dieu, guéris-lui. Nous prions pour Anouj, qui est en aide en ce moment pour une opération du cancer.
Anouj. Oui, Anouj. Seigneur, nous prions. Oh, l'Éternel, la distance ne veut rien dire, à la Seigneur. Réunion, tu agis, oh, l'Éternel, nous demande-toi là que Anouj était en aide. Que tous les salles d'opération se déroulent là, Seigneur. Oh, que toi compagnes ce mal médecin là, que tous notre frère et te guéris, te délivre par la puissance de l'Esprit. Seigneur, qui nous capaverait une bonne nouvelle pour nos frères et qui te guéris, te rétablis par la puissance de l'Esprit. Quand nous connaissons que tout est possible à toi, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur, notre Dieu, notre roi. Amen. Amen, 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 amen. Nous prions pour nous sœur Rachel qui souffrait de soleil doux. Elle nous demande, Seigneur, délivre-lui de cette douleur dans soleil doux. Au nom de Jésus, Seigneur, nous demande-toi tous Rachel. Seigneur, quel que soit son mal, quelles que soient les douleurs, nous demande-toi agir, nous demande-toi intervenir, Seigneur, parce qu'il nous connaît que tout est possible à toi, Jésus. Qui ton nom l'y loue, qui ton nom l'y bénit, Seigneur, notre Dieu, notre Maître. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci, Seigneur, notre Dieu. Amen. Praise the Lord. Gloire à Jésus, merci, Seigneur. Personnellement, je voulais rendre grâce à Dieu ce matin, mon âme, pour brûler avec de l'eau bruit. Le Seigneur finit par me la main. Étant mon baissé pour me éteindre saleté, me la main tape avec fou, de l'eau tombée juste à côté me la main. Je me rends grâce à Dieu, ça de le bruit là, pantomlo au moins. Je dis merci Seigneur, te fais protège-moi Seigneur, alléluia. Seigneur, me donne-toi gloire, me loue toi Seigneur. Oh Dieu, me connais, te fais garde-moi, me connais, te la main, fais touche-moi. Et te protège-moi Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu qui nous sent notre maître, alléluia. Gloire à Jésus, merci Seigneur notre Dieu, amen. Nous, elle a un témoignage. Et nous t'y prier pour une jeune fille qui t'y prend un mauvais chemin. Ce maman, il a envoyé une nouvelle qui se t'y fait une extra changée. Il trouve un changement dans ce problème, dans ce problème d'addiction de ce t'y fait. Donne gloire à bon Dieu. Amen. Bon Dieu capable de changer. Et s'il n'y pas n'écoute sa message là, fais-lui écoute sa message là. Si tu n'écoutes sa message là, obéir. Sinon, fais-lui réécoute-lui. Dis pour le YouTube. Et je souhaite qu'il te continue dans la bonne direction. Alléluia, gloire, Seigneur. Glorifie-toi, louez-toi, Seigneur. Oh, Dieu, tu es tellement puissant. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est clair, comme à l'électrique. Merci, Seigneur, notre Dieu, tu puisses. Sauve, satisfait, fais-le, continue. Qui ton nom est loué, qui ton nom bénit notre Dieu, notre Père. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, alléluia. Gloire à Dieu, notre Maître, notre Dieu, tu puissant. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Dans cela vie. Nous tu priais pour un frère qui t'y a fait une opération. Il dit rend grâce et le Seigneur. Et sur l'opération finit bien passée sans aucun problème. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Merci encore. Seigneur, frère. Toute la gloire est à toi, tout l'honneur est à toi, Jésus. Réussir, Dieu, me loue toi, me bénis toi, me glorifie toi. Serviteur de Dieu dans notre profession médicale. Alléluia, gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Gloire, Seigneur. Qui ton nom lui bénit, lui glorifie notre Dieu, notre Maître. Amen. Alléluia. Moi, il y a un témoignage aussi. Depuis une semaine, je suis une petite grosseur au mouvement. Il peut vraiment faire mal. Quand tu peux faire vaisselle, coup de bassin, tu es capable d'appuyer, tu es sensible. Je rends grâce à Dieu qui, depuis quelques jours, mon épée senti douleur. Amen. Et la grosseur aussi, vous baissez. Oui. Merci, amen. Seigneur. Toute la gloire de toi, Seigneur. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Alléluia, gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Toute la gloire de toi, Jésus. Amen. Nous prions pour mon anniversaire. Nous prions pour Jean-Marc Valère qui fait une fête sur l'anniversaire jeudi, lié en Irlande. Et bon anniversaire, Jean-Marc, s'il te plaît, pour nous. Et nous prions aussi pour le frère Ben qui fait une fête sur l'anniversaire, aujourd'hui. Ben, bon anniversaire, bon anniversaire frère Ben. Que le Seigneur bénisse nous. Happy birthday, brother. God bless you. Alléluia. Seigneur, merci, Seigneur. Pour l'anniversaire de notre frère, Jean-Marc Valère. Alléluia. Oh, merci pour le frère Ben, Seigneur. Nouvelle-Zélande. Merci, Seigneur Dieu. Et merci pour Ben, mon frère. L'anniversaire. Happy blessed. Nous donne-toi gloire et nous bénis-toi pour toute la vie. Oh, in the name. Oh, Dieu, sois glorifié dans cette vie, Père. Pour te la gloire, au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Maître. Amen. Amen. C'est tout. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu qui n'arrive à sa fin, il est terminé. Alléluia. Donc, comme annonce, nous réunions mercredi, toujours à 5h30 online.
et nos cultes 9h30 dimanche. Et pas oublier, sa semaine la Nuna, l'école des enfants. Samedi. Spéciale fête des mères. Spéciale fête des mères. Ah, l'école des enfants, spéciale fête des mères samedi. Hein? 3h, pour l'école des enfants, c'est 3h30 samedi. Amen. Donc, mercredi. Tu vas les enfants, tu vas maman, au rendez-vous. Alléluia. Laisse-moi rendre grâce et terminer. Alléluia. Bon merci, dimanche. Jésus. Alléluia. God bless. Seigneur, toute la gloire pour toi, tout l'honneur pour toi, l'adoration. Seigneur Jésus, mon Dieu tout-puissant, mon Dieu et toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Que ton nom l'est glorifié, que ton nom l'est loué, l'éternel, mon roi, mon Adonai, Yeshua, Prabhu, Yeshua, merci, Jésus. Pour glorifier toi, Seigneur, notre Dieu. Amen. God bless, stay blessed. Amen. Bonne journée à tous. Bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bye.